Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Francius, on se retrouve là pour un nouvel épisode sur... Eh ben, ça devrait pas être compliqué à savoir, on est sur Barbarian Invasion avec les 1. Yeah. Précédemment, on avait massacré beaucoup d'armées romaines. Oui, j'aime bien massacrer mes ennemis. Bon, c'est clair, si on massacre pas nos ennemis, qui le fera? Je vous explique tout de suite. Alors, y a-t-il quelque chose de nouveau dans les Alpes? Pas vu. D'accord, donc Massilia, c'est la capitale de l'Empire romain d'Occident. Ok, ok, si tu veux. Donc on a quelques membres de... Alors, on est sur le point de prendre Ravenne. Ravenne se rend. La population même, génial. Yes. La population même. Est-ce que je regagne du fric? J'en perds, moins. On va construire ça. Pour l'instant, on va pas toucher au bâtiment religieux. Là, on va bien s'installer là, tranquillou. Par contre, putain, les unités que j'ai pris, oh, c'est carnage. Bon, là, va falloir qu'on reconstruise cette ville. On va en profiter pour monter un peu les impôts. C'est bon, là, on monte les impôts au maximum. Ça fait quoi? Je continue à perdre du fric. Mais c'est quoi cette logique de merde? On monte les impôts, mais non, on continue de perdre du fric. Putain, ils me font chier. Ils me bloquent dans les Alpes. Les mecs, tout ce qu'ils ont trouvé à faire dans leur vie, bon, on va vous bloquer dans les Alpes. Bah, moi, je vais vous bloquer dans les Alpes. Oh, fuck. Ah, si, ils peuvent encore passer. Putain. C'est quoi cette logique, mec, il me bloque. Alors, qui on a là? Oui, on avait des légions romaines qui traînent. Bon, attention, on va les massacrer, hein. Nous sommes en 423. J'allais dire en 400 machin, mais non, en fait, on est à la bonne date. Oui, donc ça y est, là, il m'attaque. Ben, avec plaisir, on va massacrer l'armée romaine. Vous êtes que 287. Putain. Ah oui, pardon, c'est les gardes palatins. Bon, au moins, les noms ne changent pas. Alors, on a pas la même famille, alors on a un mec de 38 ans sévère, esclave Regina, donc les bonus contre les esclaves. Mais c'est pas des esclaves qui affrontent. Alors on a un philosophe, moi très bien. Toi je comprends pourquoi je t'ai battu dans le précédent épisode. Le mec il a perdu parce que c'était un noob. Je sais pas me battre. Ah merde, t'es sûr? Bah non, pas grave. Alors là on a 4 contre 3, ouais est-ce que quand même là ils ont des... Ouh, ils ont du haut. Bah c'est avec volontiers que mon armée est dirigée par Dengis, là j'ai 62 ans. Alors je pense que ça sera sa dernière bataille. Alors si on prend cette ville, on va peut-être pouvoir avoir des impôts qui remontent. Mais honnêtement, c'est la seule ville que j'ai pas pillée encore et après je sais pas si ça peut sur même. Non mais vraiment, pour Raven, va falloir que je gère la situation au niveau économique. Enfin, bon, au niveau économique, si on prend Raven. Je pense honnêtement qu'on va piller Raven puis on va se casser. Pourquoi? Je vais pas me faire chier. Oh non, on va essayer d'occuper Mediolanum si on peut, mais ça m'étonnerait qu'on puisse réussir à l'occuper totalement. Non, parce que bon... Voilà, putain, c'est quoi ce terrain? Bah, décidément, je suis pas gâté. Allez, vous tous, vous vous postez comme ceci. Ah oui! Je les anime comme ça, eux? Non, non, on n'est pas assez nombreux. Alors, on va juste détacher deux groupes de cavaliers qui iront harceler les mecs derrière. Bah non, justement. Ouais. Bon, alors, je vous rappelle que si on prend trois villes, nos pécores, enfin, les unités avec un cercle noir disparaissent. Ouais, dans cette armée-là, il y a... Ouais, c'est que des hordes, c'est-à-dire les mecs qui meurent, pouf, il n'y a plus rien. Bon, bah... Toi, tu vas aller te poster là. Et... On va former un groupe, d'ailleurs, on va former un groupe de cavalerie pour mieux se gérer. L'ennemi a fait venir des renforts. Envoyez les hâtes, patresse. Nickel. Allez les mecs. À l'arc. Oui, mince, j'ai oublié aussi d'en faire un coup. Il est en train d'arriver vers moi. Ah putain, le plus c'est en train de se prendre, les mecs, ils craignent rien quand même. Ce qu'on va faire, on va essayer une charge de cave avec notre général et on va aligner la cavalerie par ici. Mais mec, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment pas... Et les mecs, ils font la pire idée du monde, quoi. Allez, 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 Dengis. Putain, les mecs, ils me voient vraiment pas. Je suis pas sur le côté, tranquille. Vous concentrez votre tir sur ces-là. C'est lâche. Dengis qui charge dans les pécores. Par contre, j'ai ordonné à ce qu'on arrête de tirer. Il est où Dengis? C'est bon, Dengis est protégé. Oh, les lâches.
putain, le massacre! On va se replier par contre. Oh le génie! En plus, c'est même pas une baston, on est bien d'accord. Ils se font des... Oh oh, attends, une minute, c'est quoi qu'ils font cela? On va essayer de les niquer, bien sûr. Mais ça serait pas. Ça serait pas faire plus, non? Il est au camp! C'est bon, il est. C'est barré. Putain, le génocide à la romaine, quoi. Alors, ils sont... Alors on va juste sélectionner 36 unités qu'on va. Hop. Vous allez aller par ici. Par ici. Voilà, comme ceci. Ouais, bon, ça par contre, c'est pas la meilleure idée du siècle. On va se replier avec notre cave. Hop là. Alors, Dengiz, comment ça se passe? Alors toi là, tu vas te mettre à soutenir eux. Oh le mas, oh là, oh ça c'est un harcèlement, ça. Ça c'est un carnage. D'accord, les mecs, on est en train de les... Ça, ils sont tous morts. Et les mecs, on les a défoncés. Non, non. Ça, eux, ils ont. Et les Romains, ils prennent cher. C'est bon. Alors là-bas, va falloir qu'on se prépare à la charge, parce que bien sûr, c'est pas drôle. Cavalerie lourde, elle va se replier pendant que vous allez les mitrailler. Là, c'est pas une bataille simple, je dois dire. Bon, ok, c'est simple dans le sens, je mitraille et je attends. Non, là, les mecs, ils sont en train d'envoyer leur général. Bien sûr, tu vas essayer de me... Le mec, il va me charger tranquille. Oh, bah, je vais essayer de le tirer dessus, tiens. Non, et là, ils sont en train de... Oui, on casse-pique toute leur armée, ça, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas ingénieux, ça, par contre. Plus, je crois pas qu'il est prêt à se battre. Attends, on va rapatrier des divisions là. Oui, c'est pas des divisions. Dans l'Empire romain, ça s'appelait pas des divisions. De... Toi, tu vas aller là. De là. J'ai dit vous deux. Là, vous allez poster par ici. Ouais, là, je. Eh merde, ils m'ont accroché. Ils m'ont accroché. Théodengis. Il est escorté. Regardez ça, il a 62 ans, le mec, il va encore. Bon, ok. Sérieuse, le général, butez-le. Non, c'est pas bien ça, on bute le général, on le laisse pas en vie. Allez, un coup d'épée, un coup d'épée, je vous prie. Attends, qu'est-ce qu'il fait mon général? Qu'est-ce qu'il faisait lui? D'accord, lui, il a complètement perdu le sens de la logique. Ce mec est un abruti. Ah, les salopards, ils m'ont accouché. Les mecs, ils se prennent quand même des tonnes de flèches dans la face, ils s'en foutent quand même. Les mecs, tu vois bien qu'ils ont subi un entraînement. Putain, bon, ça va me saouler là. Vous les Romains, de toute façon, il n'y a pas de quartier. Reprends Rome. Dengiz. Lui, il est en train d'attaquer dans le dos, allez. De toute façon, vous êtes que des pécores. En plus, les mecs m'envoient d'autres pécores. C'est vraiment qu'ils ont plus rien à foutre. Yes! On a buté le principal général. Dengiz. Oh, il est protégé, il risque. On va les éliminer ceux-là. Oh, oh putain, la grosse mêlée! Alors là, on est en train de faire un génocide. Là, armée romaine, capote. Oh, dis donc. Eh ben, dis donc, je savais pas que j'étais bon pour tuer un général. Bon. Bon, par contre, vous allez vous détendre direct. Est-ce que vous êtes en train juste de massacrer toute mon armée? Ça, je ne tolère pas qu'on massacre des hommes. Ouais, donc déjà le... Ah non, on a tué les deux. Ah oui, on a tué le capitaine Victor. Ah non, on a pas tué les trois, parce que c'est vrai qu'il y avait le petit pécor là qu'on a loupé. Merde, ce gamin a eu du bol. La prochaine fois, il n'aura pas autant de chance. Attends, c'est un petit archer, ils sont en train de me tirer dessus quand même. Oui, réduisez-moi ça en poussière. Mais sérieux. J'aime bien les 5 pécors, ils me tirent à l'arc. Alors je peux perdre 3%. 3%, c'est bon. Bon, pas très bon dans la situation dans laquelle, mais bon. Tant que c'est des pécores qui disparaissent, il n'y a pas de problème. Alors là, on va faire pas de carte. Alors on a tué combien? 98% de l'armée là. Là, si je n'ai pas mis du l'homme, ça ne dérange pas d'attendre. 9 minutes de vidéo, ok. Je surveille beaucoup les... Ouais, bon, allez, éliminez-moi cette merde là. Parce que bon, faites pas déconner. Bon, les trois là, je vous fais confiance. Là, je sais que vous êtes de bons tireurs. Je dis ça et en fait, les mecs vont les louper. Oui, bon, ce serait bien sympa de tuer les mecs là. Sérieusement. Les mecs, vous ne savez pas tuer des paysans. Je sais pas, Dengiz, t'as tué tellement de Romains dans ta vie que tu sais maintenant comment tuer un Romain.
Sérieux, mais comment... Je pense pas que dans la vraie vie, t'as des Romains, ils sont capables de... Bon, écoute-moi, c'est pas très grave. Quand tu vas massacrer les Féodératis qui sont là. Bon, au final, 99% de l'armée anéantie. Bon, on va quitter le champ de bataille, vous savez quoi. Alors, quittons. La victoire est douce, surtout quand elle est aussi indiscutable. Merci. Donc on a perdu 10 hommes face à Victor, on a perdu environ une centaine de soldats, ou moins. Putain, il reste rien dans l'armée. Alors, Dengis gagne un bonus. Bon, Dengis, ça te sert à rien, parce que tu vas sûrement claquer. Alors là, s'il claque à la fin de la bataille, ce serait horrible. Ça veut dire qu'il venait de gagner, il tombe de son cheval, il meurt comme une merde. Il y a encore des survivants. Les mecs, comment vous avez fait pour survivre? Bah, il... Oh. C'est quoi? Tout ce qui reste. Putain, le temple, il est bien endommagé, par contre. Ah non, c'est là, d'accord, le temple. On va construire un bâtiment ici. Au niveau finance... Mais j'en ai marre de perdre du fric. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça j'aime pas par contre. J'aime pas avoir une grosse armée qui spawn derrière moi. Bon, va falloir qu'on règle le problème, hein. Alors, on va enlever une partie de notre armée qu'on va mettre là. Toi, alors ils peuvent aller jusqu'à où? Putain, ils vont loin les mecs. Ils vont jusque... Ouais, on peut les stopper. Ah bon, putain. Là, j'espère que je vais pas perdre une grande partie de mon armée là. Là, si je perds les trois quarts de mon armée, je suis mort. Pas bon, je pourrais encore me battre. Enfin, après, il restera la solution finale, c'est-à-dire les pécores. Ça y est, on va prendre le... Retenter une baston. Alors que je viens de vous massacrer tous. Il y a quoi là-dedans? Pécores. Bon. Là, par précaution, pour pas perdre trop d'hommes, on va refaire la bataille. C'est chiant, mais... Que voulez-vous? On est bien obligé de faire des batailles dans la vie. Alors, on va faire un toggle faux rapide pour voir où ils en sont. Oui, donc, tant ma situation sera pas stabilisée. En fait, c'est l'état d'urgence, si vous voulez. Voilà. Voilà, le motif complètement claqué. En fait, c'est l'état d'urgence, voilà. Alors, les Slaves sont en Dalmatie. Non, ils sont en Sarmatie. Non, tribus latigées. C'est quoi les tribus latigées? Ouais, ils sont en... Hongrie. Oui, ils sont en Hongrie. On va dire que c'est la Hongrie, à peu près. Alors, les Romains n'ont pas d'armée, visiblement. Putain, ils sont en train de faire venir des pécores de tout l'Empire. Nous venons vous détruire de tout l'Empire. Bon, les Saxons seraient bien de m'aider. Vous, là-haut, ouais, c'est bon. Peut-être réussir. Alors, on note que les Berbères sont en train de prendre, ont pris contrôle de la Corse et de la Sardaigne. Oh non, Napoléon sera un arabe. Bah attends, ça me dérange pas. Tant qu'il parle français. Le mec complètement con. Tant Napoléon sera un arabe. Mais on s'en fout. Tant qu'il parle français. Alors, Philadelphie est encerclée en même temps là. Tu vois l'endroit de la ville, elle est foutue d'avance. Donc là, il n'y a aucune armée qui tente de prendre des pécores. Deux armées, il va falloir éliminer. Non, c'est bon, il y en a une, elle s'est barrée dans le sud. Il n'y a pas de révolte, non? Oh non, c'est parce que, honnêtement, quand tu... J'espère que l'armée là, elle va se replier, parce qu'attends, là, les mecs sont conscients que... Dengis, il a 63 ans. Putain, saccageur, génial, on gagne un peu plus de fric quand on pille une ville. Mais c'est pas bien, parce que je crois que les gens sont pas contents que je tue des gens. Enfin, c'est très dope. Bon, on va stationner, on va créer un état unique. Voilà, il n'y a pas de jeu de mots pourris en Italie du Nord. Voilà, donc, ceux qui voudraient voir une Italie libre, il n'y aura pas d'Italie. Non, ici, c'est l'Italie unique, dirigée par Garibaldi, dirigée par les Huns. Ou alors, je dois dire, les... je pense qu'en fait, si les Romains ne me butent pas, je sens que je vais perdre la campagne. Ah oui, d'accord, vous m'attaquez comme ça. Pff, les mecs, mec, vous avez vraiment aucune idée. Putain, la ville, elle est pétée. La ville, elle est complètement détruite, tu sais. Oh, je sens mauvais pressentiment, ça va pas faire les... Les batailles étaient buggées parce que l'ennemi ne m'attaquait pas. Ah oui, ça va faire ça. S'il y a un trou dans les murs, les mecs, ils vont pas m'attaquer. Perdons pas de temps, on va leur faire un petit carnage. Alors, ils sont cachés derrière les murs, les enculés. Enfin, les enfoirés, pardon. C'est juste que je perds mon langage deux ans de temps. Ah, il faut qu'on les rattrape. Oui, on va avoir le temps de les rattraper. Par contre, on passe pas trop près des murs. Oui, c'est bon, parce que les mecs, ils passent tout près des murs. C'est pas la merde. Allez, plus près de toi, mon dieu. Je sais pas ce que c'est cette chanson, je sais même pas pourquoi je chante ce truc. Merde, il va avoir le temps de s'enfuir. Bon, charge sur les comités. Dengis, tu as tenté une charge là, mais en espérant que tu crèves pas, parce que si tu crèves là, par contre, je te destitue. Ah bah non, je peux pas te faire appliquer comme sur Europa Universalis. Et ils sont en train de... Et ils voient que je suis là, les mecs. Oh, ils sont des routes. Ça fait mal à Rome. Putain, ils me tirent au canon. Il me tire à la DCA, les enfants. Les mecs, ils me tirent à la DCA, tu sais. Le truc improbable à l'époque. Chef, il nous tire à la DCA. À la DCA quoi? À la DCA. Ça existe cette merde? Oui, chef. Ça, j'irai le prochain.
tous les cas. Bon, là, il n'y a pas le choix, il va falloir pénétrer dans la ville comme on peut. Bon, deux, vous allez entrer dans la ville. Le problème, c'est que je... Bah, vous allez vite voir ce que c'est le problème, c'est que je... Qu'est-ce que vous faites? Là, ça se passe bien, ouais. Attends, d'une charge Dietrich. Le mec, il croit que son général, c'est un Allemand. Dietrich! Non, c'est pas la meilleure idée, ça. Oui, c'est bon, lui, il peut mourir, je pense. Votre chef est en train de se faire un peu mitrailler. Hé, les colonies de ça résiste. En fait, les colonies de c'est un peu de la merde, mais ça résiste quand même. Juste avoir la logique. On va passer sur la place encore, bien faire chier les Romains. Les mecs la centrale. Bien sûr, ils vont passer sur... Le général ennemi fuit comme une poule mouillée. Lui, il va se faire tuer, mais je le sens tellement. Je le sens gros comme une maison. Non, ici. Tiens, j'ai eu peur. Pendant un instant, j'ai cru que Dengiz était tombé. Alors là, c'est Dengiz. L'ennemi prend la fuite. Boutez-le hors du champ de bataille. On va s'écarter des murs déjà. Alors on va avec tout ça, on va se rediriger vers les murs. Par contre là je suis en train de perdre beaucoup d'hommes. Bon là je suis obligé de perdre des hommes. Parce que bon là c'est... ça va pas être simple de prendre la vie. Hey, les mecs sont coincés là-haut. Chef, on est bloqué. On bat les couilles. C'est bon que vous démerdez. Aïe. Aïe les flèches, ça fait mal pour la digestion ça. Mais bon, je sais même pas ce que je dis. Ça se trouve ça fait du bien pour la digestion, tu sais. Allez, ils sont là. Vous allez vous stopper là pour bien aller. Mais non, ils sont pas sous les... Non, c'est bon, ils passent pas sous... Parce que là, les mecs, s'ils passent sous les murs, ils sont cons quand même. C'est bon, on va pouvoir commencer la dernière phase. Putain, là, faudrait qu'on descende leur général à distance. Oh, oh, ils me font sur moi, ils font sur moi. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont trop cons, ils font sur le terrain, quoi. Ils sont en train de faire le con. Oui, ils sont en train de l'abattre à la course dans une plus tarée du siècle. Bien, ils sont en train de lui. Attends, fonce là. Fonce là. On est en train de descendre en général. Oh, ça c'est ridicule comme je sais. On est en train de descendre en général à l'arc. Si c'est pas ridicule. Et le mec il insiste, je sais pas, je suis en train de le génocider le mec, ouais déjà je lui dis une phrase qui n'a aucun sens. Il est tout seul. Qu'est-ce que me dit la bataille? Là la victoire est assurée, ça l'incapable peut perdre la bataille. Oh bah ça tu m'étonnes. La victoire est douce, surtout quand elle est aussi. Voilà donc vous savez maintenant que les uns sont des cons, ils ne savent pas se battre au corps à corps. Bon on a perdu quoi? Ah oui, quand même. J'ai perdu au moins 100 soldats comme un abruti. Désolé, chef, je ne sais pas me battre. Nya, je suis intelligent. Ah bah, pas tellement, tu sais. Le mec s'auto-clash. Ah, je suis pas vraiment un bon général, vous savez. Ah, alors, on a servi ou... Bon, on occupe. Ah oui, je vous occupe, vous me détestez. Alors ça, c'est très sympa, tu sais. Oh putain. Ça, par contre, c'est pas sympa du tout. Dans la ville. Tout d'un coup, là, quand j'entre dans la ville, vous m'aimez, hein. Bande de... Alors, est-ce que mon économie remonte ou continue de faire en berne? J'en ai marre, l'économie elle descend tout le temps. Même pas moyen qu'elle remonte. Pas moyen que cette merde remonte un instant, quoi. Bon là, les Romains, ils voudront une grosse armée. Alors, mon espion qui est encore vivant, tu vas aller vérifier ce qu'ils ont dedans. Je suis invisible. Ah oui. Les mecs, vous me faites chier alors qu'il y a les Slaves qui sont en train de débouler. Faudrait peut-être penser à faire quelque chose de votre vie, je sais pas, mais... Bah, on va pouvoir refaire quelques unités en attendant. Bon, je suis en train de sacrifier l'argent qui me reste, mais bon. Parce que là, on va pouvoir partir à la conquête des villes. Bah, je suis en train de perdre de l'argent, bien sûr. Bien sûr, perdre de l'argent parce que je fais des trucs cons, mais bon. On va monter un peu les impôts. Alors, ça remonte.
On perd 16 par tour. Peut-être pas déconner. Parce que j'aime bien, je perds 16 d'argent par tour. Le truc improbable. Oh putain, là ça sent mauvais si Valence m'attaque. Bah on va faire la bataille d'un Dreampold, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec bien con quoi. Bah je suis prêt à faire la bataille d'un Dreampold, connard. Là on va, quand on va finir ce bâtiment là, en plus la ville a atteint son maximum, mais en même temps que tu as pris tout pété. J'ai tout pété parce que j'avais peur. Je sais. Je vous assure, j'avais peur, chef. Alors là qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va faire une taverne pour que les 1 ils se bourrent la gueule. C'est pas le bon exemple en fait. Mais je continue de perdre de l'argent, même montant les impôts au maximum. Faudrait peut-être pas déconner à force. Attends, on va upgrade nos généraux. Voilà, ça se dit enfin. Alors, mes objectifs, c'est quoi déjà? Prendre 15 communautés. Alors, qu'est-ce que j'avais dit déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, enfin, peut-être que j'empiète sur quelques autres territoires, mais bon. L'Empire 1, on va se démerder. C'est bien 20 villes que je vois. Non, 15, donc c'est bon. Donc alors, on prend toute l'Italie, ce qui nous fait déjà 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, j'ai un chiffre de retard. Et en plus, on va envahir la Crète. Parce que les Romains, en fait, quand ils perdent tout leur territoire, il reste juste la merde de Crotte. Oui, bon, si tu veux me proposer une paix, y'a pas de problème. Enculé de ta race. Enculé de ton empire. Non, c'est bon, lui, il est vivant. Oh, mon héritier de faction, oui, c'est vrai qu'il est là, lui. Putain, ils sont nombreux. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire bobo. Et je crois que je vais avoir mal au derrière, chef. Alors, je fais un sauvegarde pour voir si je tente de... Non, ok, ça, je sais. Ils vont tenter de m'attaquer, c'est sûr. Parce que c'est sûr, avec une armée comme ça, ils peuvent faire le poids. Ah, l'Empire romain d'Orient se fait attaquer. Ils sont en train d'attaquer Salon. Enfin, je crois que c'est Salon. Sauvegarder sur 1, 2 et on... Ouais, en plus, c'est un nom de merde que je donne. Alors, j'espère que la population pète pas un câble. Ah, ils sont contents, génial. Alors, Ragred ou... En fait, Shinglu ou Ragred, ça change rien. C'est les deux mêmes, en plus. Les mecs, c'est des bandes d'arnaqueurs. Alors, on oublie de vous prévenir, c'est le même dieu, en fait. Ça change quoi? Bon, bah, rien du tout, pourquoi? La question complètement conne du siècle, tu sais. Putain, ils sont... Oui, bon, vous pouvez me pro... Oh, putain. Les mecs, ils ramènent... Ravennent deux armées, quand même, en fait. Fait mal, on va faire mal. Donc là, la population, comment ça se passe? Alors, c'est bon, c'est juste les impôts et ça qui chienne. Bon, on va continuer de faire de l'armement. Et dis-moi, ils vont m'attaquer. Oui, ils vont m'attaquer, donc faut vraiment qu'on compte sur nos tours pour les défoncer. Vraiment, le problème des 1, c'est qu'ils sont trop mobiles. Moi, j'y peux rien. désolé, chien, moi, j'y peux rien, moi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armée? Beaucoup de drones monde. Ouais, donc là, on va... 23 minutes, ouais, on a le temps de faire une bataille, une dernière bataille. Une last one! Non, là, on va sortir la ville. Déjà, merci, le mec. Déjà, merci beaucoup. Alors, toi, tu vas rester dans la ville. Ah, ils aiment bien lui. Enfin, toi aussi, tu vas rester dans la ville. Toi. Ça, bon, ça suffit, en fait. Ça suffit pour garder une ville. Oui, je sais, c'est... Ils sont pas nombreux, mais bon, on s'en fout un peu. Est-ce que je fonce sur Rome ou sur Tarente? Bon, on va foncer sur Rome. Bon, en plus, faudra juste que lui trouve une bonne technique. Putain, c'est dommage que tous... Ah, ça me coûte tellement cher. Ça me fait mal au cœur de voir mon empire en train de se délabrer. Au niveau économique, il va falloir... Putain, je perds encore plus d'argent, quoi. C'est... Eh ben, merci le jeu qui me... Donc, au niveau économique. Putain, ils vont pas m'attaquer si ça part. Ils vont me laisser crever de faim. Très sympa de la part d'une IA aussi débile à ce point-là. Koudirak est né. Ah, un garçon. Alors, Koudirak. Alors, Dita, c'est vrai qu'elle a été veuve. C'est bien son fils, lui. Je crois que... ouais. Oh oui, un garçon. C'est bien Bléda. Par contre, t'as une grosse différence d'âge. Ça veut dire que t'as fait ton enfant, t'es un peu dans la moyenne, on va bien dire. Ah, c'est bon, lui, il m'attaque enfin. Parce que, attends, le mec, il met 1 milliard d'années à m'attaquer. Oui, en fait, j'ai envie de vous attaquer, mais pas trop, vous voyez, en fait. J'ai pas envie de vous attaquer, je vais me rendre enculé, ouais. On va faire une dernière bataille, après, si eux, ils me rattaquent. Est-ce que je... Ouais, on va essayer de les troller en attaquant Rome. Ouais. Alors, mon objectif, je vais rester dans les Alpes. Je vais pas bouger des Alpes, attends. Je suis bien dans les Alpes, tu crois vraiment que je vais être con au point d'abandonner les Alpes? D'ailleurs, je suis en train de dire n'importe quoi. La chose la plus noble et la plus sûre pour une grande armée que d'être manifestement animée que...
par un seul rêve et même esprit. Oula, en fait cette phrase n'a aucun sens. Non, parce que normalement il devrait mettre que d'être, enfin au niveau de que d'être un autre truc. Oui, donc déjà on va s'installer en grande partie sur la place centrale, parce que bon, là il va falloir qu'on compte sur l'effet de cavalerie. Oh non, j'ai nous. Oh oui, j'ai. Oh oui, vous vous souvenez de la bataille qu'on a fait contre les Romains la dernière fois? J'ai trouvé une idée sadique. On va les attaquer sur leur propre terrain. Alors, ils vont nous attaquer ici. Alors, on va laisser Balamber et machin là. Ah, vous mauvaise confiance, Nine. Ah, Scheisse. Désolé, mais je peux rien faire. Voilà. Vous, je vais vous laisser ici. Voilà, vous faites des Spartiates. Bah, vous êtes des Spartiates. Même si on dirait pas, nous sommes des Spartiates. Faudra aussi que je détruise cette merde de temple. C'est pas une religion, c'est pas notre religion. Eux, ils font que tuer, nous, on fait que tuer et brûler. Voilà, c'est... Nous, les uns, on a de bonnes justifications. Brûler, on tue. C'est pas pareil que brûler et se barrer. Quoi? Nous, les uns, on a de meilleurs... Oh, putain, le jeu. Oh, le jeu qui ne supporte pas ce lag. Ah, désolé, mais... Désolé, les mecs, tu voulais que je mette mes amours dans ton dos, peut-être? Toi, tout est bon. Toi, là, je vais te mettre ici en sécure. Alors, vous, là... Vous allez sortir et on va faire des embuscades dans le dos des Romains. Alors on va faire comme, comme l'épisode 9. On va les attaquer dans le dos. Ils vont voir comment c'est. Ils vont voir ce qui se passe quand t'attaques un peuple comme les 1. Ils vont voir pourquoi dans le peuple 1 il n'y a qu'un H et que ça se prononce comme le chiffre 1 au passage. Non, dis pas qu'il va passer par la porte ce con. Enfin, c'est pas con, c'est, il va faire un logique. C'est bon, il n'est pas passé par l'autre porte. Brûlez les tours, brûlez pas les béliers, mais ils sont cons. Oui, déjà, s'ils brûlent le bélier, ça se passe bien. Par contre, elles sont où les trucs de démolition? Personne qui entre. D'accord. Brûlez le bélier et la tour de siège si vous faites... Ça y est, le bélier brûle. C'est bon, arrêtez. Tirez sur l'autre tour. Les tours, brûlez les tours, brûlez les tours, les gars. Yes. Allez, la dernière tour, la dernière tour, la dernière tour. Oui. Génial, mes hommes sont tellement ingénieux. Merde, ils sont en train de creuser. Oh, les salopards. Oh, les petits salopards, ils sont en train de creuser. En train de creuser, bande de lâches. Voilà, par contre, ils sont en train d'attendre que je les massacre. Bien, ça, toute notre armée est en train de se déployer comme des. Et là, si on fait un carnage, ce serait beau. De toute façon, je sais que je vais gagner la bataille. Enfin, j'ai peu de chance de perdre la bataille. Vous allez vous redé. Non, 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 ça, c'est pas fair play du tout. De toute façon, est-ce que c'est fair play de base d'attaquer des gens dans le dos? Bah, non. Alors vous là, vous avez formé une seule unité. Enfin bon, vous êtes un peuple. Comme ou non, j'ai utilisé un exemple qui est pas bon à utiliser. Ils sont en train. Non, ils sont en train de rentrer. Bon, ça veut dire qu'ils continuent de creuser. Putain, mais... Hey, ils ont buté tous les, ils ont buté tous les préventeurs. Génial. Mais ils font mon travail à ma place. Ils font le travail à ma place. En fait, c'est pour ça que sur Medieval 2, en fait, il faut une unité qui surveille les tours. Sinon, les tours elles fonctionnent pas. Bah oui. Si les mecs ils butent tout le monde autour de la force, ça commence à être chiant. Oh oui, j'ai trouvé l'idée du siècle sadique. Chargez les mecs dans les tours. Chargez les mecs dans les trucs de siège. Les mecs là, chargez-les, vous allez pas réussir à les buter. Oui, mon plan fonctionne. C'est ça. Faut qu'on les empêche de détruire les murs. We must didn't by the wall. Ah, le grand bâtard. C'est ça, sortez. Pourquoi ils détruisent pas tout simplement le truc? Je sais pas, ils devraient détruire la tour pour que les mecs, quand ils sortent, ils se prennent une volée. Enfin, je sais pas. Historiquement, c'est que les Perses ont fait. Les Perses, ils enfermaient les mecs. Ils vont foutre le feu au truc. Les mecs qui sortent se font buter quoi. Le bon gros sadique. C'est ça, tire-moi dessus. T'inquiète pas que je vais m'armer votre côté. Mort aux Romains. Mais pas mort aux francs-maçons par contre. Je sais pas pourquoi j'avais envie. Mais par contre ça sent mauvais pour les fesses de mon général. Charge-la, charge-la. Oh, allez, stop. La tour, tire sur eux. C'est quoi qu'on me massacre? Ouais!
Dendis, il fait un carnage là. Regardez ce massacre, on voit des cadavres dans les trucs là. Alors, faut qu'on bouge, hein, on va rajouter. Toi, on a besoin d'aide. Là, Dendis, il a besoin de ton aide à 100%. Putain, replie-toi, gamin, tu es en train de te faire buter. Surprise. Non, fais passer les mecs. Regardez ça, j'ai réussi à leur faire épuiser les munitions. Ça, c'est ingénieux comme technique. C'est technique à la Flavius Contentius. Attends, putain, ils sont en train d'aller, ils sont en train d'aller. 168. Allez, fonce. Regardez ça, on est guidé par les dieux. Ils me disent de buter les Romains et de... non, la suite du rêve est trop chelou. Dendis, il se bat en pleine mêlée, le mec, c'est un thug. Oui, je vous le disais, Dendis, faudrait lui mettre des lunettes noires. C'est un thug. Non, continue, continue ton carnage. Tu t'en fous de l'ennemi qui est derrière, tu continues. Ah, je peux dire Jésus, Marie, Joseph, t'as mon fou. 35, on est en train de leur faire la peau. Qu'est-ce qu'on fait? Le mec, qui passe au milieu de la mêlée, tranquille. Nous, on fait que passer, excusez-nous. Mais non, mais courez, je suis en train de perdre les... Je suis en train de perdre l'élite de ma cavalerie sur des pécores, quand même. C'est la honte. 117. On va les laisser approcher. Juste là, on a bien stoppé leurs travaux. Oh, là-bas, c'est un masse. Allez, là-bas, ils se font exterminer. Les mecs sont bien neuneux, ils me voient arriver. J'ai une idée, on va les charger, là. Je vais peut-être faire venir Balamber. T'en es où, toi? Ça y est, ils a tous buté. Ah, le mec. Ah, je savais que c'était un bon général. Attends-toi. Je vais faire une sortie en mode surprise, motherfucker. Qu'est-ce qu'il faut, là? Vous êtes là, tranquille. Vous croyez que c'est le bon moment pour faire une charge? Pas con. Pas con, pas con, mon gars. Putain, là, mon général... Alors là, si Dendis y survit... C'est bon, Dendis, il tient toujours. Merde, ils ont réussi à faire une contre-charge. Non, charge. Je me suis trompé d'une... Vous, là, vous êtes en train de marcher. Cours. Reste pas là, mon gars. Reste pas là, t'es en train de te sacrifier. Il me harcèle. Alors ça, c'est du harcèlement moral, monsieur. Dengiz, reste pas là. Dengiz, reste pas là, connard. Enfin, reste pas là, mon gars. Tu vas te faire buter. Non, mais... Yann me fait chier à certains moments, je peux te dire. C'est désagréable. Désagréable d'avoir une unité qui te cherche comme ça dans le dos. Là-bas, on est en train de... Sacré. Je suis en train de les troller. Bonjour messieurs, je ne fais que passer. Non. Non, il est où, Balamber? Il est où, mon fiston? Oui, c'est bon, mon fiston a survécu. On est chargé, eux. Non, foutez la paix à mon général, je vous prie. Les mecs, comme s'ils allaient attraper des cavaliers comme ça, quoi. Et l'IA romaine est souvent un peu neuneux. Enfin... Il est totalement neuneux. Il est où, Balamber? Oh oui, Balamber qui met. Balamber qui se fait leurs archers. Oui, c'est beau. Au final, ils ont même pas endommagé les murs. Ah bah, ça se passe comment? Oui. Oh non, c'est bon, ça tient, ça tient. La charge là. Là, si tu fais tomber leur meilleure unité du jeu, c'est super. Force, mais qu'est-ce que vous foutez? Mais ils sont bloqués, génial, bravo les gars. Non, là, ici. Balamber n'a pas besoin d'aide actuellement. Oh là là, mon héritier dans les pics, ça c'est pas bon. Bon, j'aurais certes un peu sacrifié tous les gardes du camp. Là, j'espère qu'il était... Non, il était bon. Là, je demande de charger ici, c'est pas compliqué.
Lui il est bugué. Le mec sait même plus où comment on charge. Le mec c'est un abruti quand même. Chef, comment je fais une charge de cavalerie déjà? Non c'est bon, lui il a. Il s'est souvenu. Oui 130 soldats encerclés, ça c'est bon, c'est bien. On commence à reprendre l'ascendant, toujours de terre bien sûr. Les mecs, je les ai massacrés, mais... Pitié pour les croissants. On massacre les deux là. Toi, tu vas... Rebond, allez-vous. À votre bon cœur, messieurs. Ah, mais non, mais reste pas dans la... Les auxiliaires volatins, c'est les démons du jeu. Ça, c'est... Avec les premiers 20 tours, je peux te dire, tu fais gauche. Derrière. Oui. Yes, on a fait un carnage. Là, ça, on est en train de génocider. Ouais, mais si... Je suis en train de dire une expression qui n'existe même pas. C'est incroyable. Nous, les Romains, ils font quoi? Les Romains, je suis juste à côté. Juste comme moi, là. Et ils sont en train de perdre toute leur armée, ils s'en foutent. Bon, c'est pas notre problème, vous savez. Vous savez, vos hommes là, c'est pas notre problème, monsieur. Et on va faire 40 minutes. Mais je me fiche. J'ai éliminé une armée romaine entière. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Dans sa capoeira, avec face au général romain, lui faisant « Eh, je t'ai massacré ton armée hier. » Ouh, ils sont en train de me voir. Les mecs, en même temps, j'ai massacré les trois quarts de l'armée, ils m'ont toujours pas remarqué. Tiens, vous avez massacré notre armée. Bon, allez-y. Bon, alors vous allez changer là, parce que bon, le mec là, il est bien gentil, mais si vous bombarde mes hommes, ça va pas me plaire. Voilà, faudra que je régène mes unités. Je ne souviens pas que Davis, il meurt. Un mec arrivé est crevé, épuisé, fatigué. Grand chose, moi. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va se rapprocher le plus près des murs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont se prendre des flèches. S'ils se prennent des flèches, c'est nickel. Allez, les mecs! Petit. Oh oui, regarde ça, on est en train de massacrer l'armée. Combien de pourcents de l'armée tuée? 86%. Nickel. Mais bon, là-bas, enfin, peut-être penser à se rendre, je sais pas, je suis en train de vous courser depuis tout à l'heure. Run! C'est quoi là, mon con? Ça me fait rire, mais les Romains. Ouh. C'était là, ce champ. Oh, Dengiz! Oh Dengiz, tu savais la charge que tu vas te prendre dans la face. Oh, c'est bon, c'est... Et c'est eux, ils vont se prendre la charge au final. Non, allez, chargez-la. Charge dans leur face. Dengiz, comment tu te débrouilles? Dengiz, t'es où? Déguise les scorpions, c'est le garde du corps, par contre il y a deux mecs face à lui. Chante déguise, il va crever. Coup d'épée, c'est pas bon. Charge dans le dos, vite. Tue leur général dans le tas, serait bien. Là, si Déguise meurt, je craque. Yes. Miracle de l'armée de l'année. Yes! Le général ennemi a été tué! Dans le cœur de ses soldats. Bah, visiblement, il reste plus qu'une unité. Le mec, il part un peu au gars. Oh, visiblement, il reste une unité, tu sais. Et ils sont 87, vous êtes quand même. Ah, vous êtes au moins une centaine. On a tué Valence Ophnius. Voilà, l'empereur Valence est mort. Là, je vais gagner à la taille alors que eux, ils vont se rebuter. Chef, on devrait pas se mettre nos boucliers. Non, je préfère qu'on reste comme ça. Oh, vous, je vais pas vous laisser en vie. Allez, vous me tuez tous. Non, mais genre, vous faites chier en plus, vous espérez que je vous laisse la vie, pas. Vous savez pas ce que vous loupez, les mecs. Bon, toi, tu vas t'occuper des archers là.
C'est un peu bizarre, c'est musique un peu techno de temps en temps dans la bataille. Ah bon, j'avais zappé, tiens. J'avais oublié une unité de la Horde des Figues. Bon, bah, vous auriez fait une petite résistance sur le mur. Ah oui, c'est quand tu finis. Ouais, donc ils ont plus rien, ils peuvent pas attaquer. Alors, on leur a tué 2410 hommes, par contre, nous, perte lourde. Notre cavalerie tribale a gagné expérience. Yeah, c'est plus que 24. Allez, Valence Ophnius, tu vas rejoindre les annales de l'histoire. Dieu sait de quelles annales je vous parle. Sérieusement, le mec il m'attaque alors que je viens à peine de me régène. Bon, il va falloir que je me batte. Je suis invisible. Bon, ça va être moins dur. Enfin, on va retenter une. Pense au prochain épisode, on fera une sortie. Trop de mecs. Les mecs, c'est des paysans. Oh bah, allez. Bonne chance, les paysans. On va capturer encore un nègre romain. Mediolanum. Allez, dit Dengiz. Dengiz, c'est le meilleur général que j'ai eu. Alors, toi, tu peux sortir de la ville. Ouais, c'est bien. Bah, Lambert s'est marié, très bien. Mon héritier s'est marié? Oh, bah, nickel. Attends, je vais bien vérifier que c'est mon héritier qui a eu un gosse. Enfin, qui s'est marié. C'est bien, avec Fallon. En plus, elle a le même âge, donc voilà, il n'y aura pas de problème de d'âge. 57 ans, la reine des 1 à 57 ans. Alors, c'est qui? Le premier roi des 1, il est mort en 381. Ensuite, c'était Kandak en 402. Ouais. En fait, il règne depuis au moins une 24 ans, le mec. D'accord, à ton aise, mon gars. Enfin, je m'inquiète des impôts qui sont en train de tomber à une vitesse. C'est pas ce que j'attendais. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On va continuer la société des guerriers. Enfin, les trucs de piquet fugitif. Oh! Lalalalalala. Alors, qui est le chef? Héritier de faction, armée, staff, chef de faction 1, c'est Ayo. Ouais, en même temps, le mec a 55 ans, en même temps, il spawn là, donc les mecs vont. Campus Barbaricum, le nom le moins bien trouvé au monde. On va s'appeler Campus Barbaricum, pourquoi? Je sais pas, comme ça. Alors là, en bas, faudrait. Ouais, niveau commerce. Bon commerce, je vais avoir du mal à refaire du commerce, parce que vu le Bins que c'est. Et Balambert. Alors Balambert, là quoi, finance aléatoirement, un gestion. Oh non, le mec c'est un abruti. Plus nanana, moins des chances de détecter, ouais c'est bien. Païen, redoutable, moins 2 d'agitation, oh oui. Plus 20 de construction, c'est bien. Menton fuyant. Bah non, bizarrement sur son image je vois pas de menton fuyant. Et qu'est-ce que vous racontez les mecs? Et c'est pas bien de mentir, on ne ment pas au roi des 1, sinon c'est la peine de mort. La peine de mort? Bon, t'es écarté les vivants. Comment ça c'est horrible? Comment ça c'est horrible? Bah c'est ça les lois. Les Alamo ils sont attaqués. Ah! Nous allons être convertis à la religion de nos ennemis. Yavol, je n'ai pas de mauvais accent à faire. Heureusement que j'ai une idée qui ne me coûte rien du tout. C'est une chose. En masse, ils ont des vétéranies. Donc ça va bien faire mal aux dernières. Malheureusement, mon dernier a subi. Là, ils ont pris la ville. Visiblement, il n'y a pas de révolte. Oui. Alors, est-ce que la Zinia tient? Ah non, la capitale de l'Empire romain va tomber. Il restera plus que Salamine. Il reste le chef de faction, c'est Valence le Lubrique. Évidemment, il y a que des Valence aujourd'hui. Après, il restera plus Kidonia. Ouais, je vais peut-être. Je pense quand j'aurai pris Tarente, je vais essayer une expédition. Oh, c'est quoi, c'est un mec pirate? Une expédition maritime à Athènes. Voilà, donc ça c'est fait. Et pour finir cet épisode, nous allons faire une sortie. Mais qu'on fera au prochain. Tentez une attaque nocturne. Oui, ça nous donne un avantage, une attaque nocturne. Bon, par contre, j'ai rien y comprendre. Parce que, sûr que quand tu fais une attaque nocturne, tu comprends rien du tout. Par contre, j'ai intérêt de faire gaffe à la cavalerie tribale. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont? Comitaine, c'est Comitaine, Pierre Palatin. Ouais, c'est ça. Dans le prochain épisode, je viendrai me battre en là. Je vous verrai comment les 1 ils meurent. C'est pas une bonne nouvelle en fait. Si je meurs comme un. Non. Je voulais regarder un truc. Dengiz, menton fuyant, décidément dans la famille de Dengiz, c'est des mentons fuyants. Sauveur héroïque, Avrium n'oublie jamais celui qui est un nain, et en digue, en retour son amitié. Orateur ennuyeux, oh, spartiate, oh, 200 coups, au moins de 200 les coups de peau. Corruption plus 2 en gestion, c'est un combattant de nuit. Alors en plus, ça va l'aider. Saccageur, très bien. Bon, dans le prochain épisode, nous ferons une bataille de nuit. J'espère que vous aurez bien aimé cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Bye!